Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour savoir quelles sont les unités à mettre pour améliorer plus ou moins correctement Kunigami sur Blue Lock Project World Champion. Comme vous l'avez vu, c'est l'une des unités les plus dures. Ce n'est pas la plus dure, mais c'est l'une des plus dures à monter. Je vous invite à lâcher le petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour me soutenir et pour faire évoluer la chaîne et agrandir la communauté. N'oublions pas que les réseaux sociaux sont disponibles dans la barre de description. Ça me ferait énormément plaisir. Sur ce, on démarre. Les amis, en fait, tout d'abord, il faut que vous compreniez qu'il y a plusieurs variantes de formation et d'équipe pour pouvoir améliorer les unités. Concernant les dialogues, on verra ça dans une prochaine vidéo. Mais ce n'est pas très dur concernant cette unité, vu que dans tous les cas, il faudra se focaliser sur la puissance, enfin le power et le tir. Du coup, là, on va aller voir ça de suite. Alors, on est ici. On va là. Ici. Et on prend Kunigami. Ok. Alors, on retourne ici. Alors, la puissance, c'est le coup de poing. Et le tir, c'est ce qui est représenté ici. C'est là où, généralement, il va avoir le plus de stats. Et du coup, les unités à prendre tout premièrement. On va commencer par cette base-là, bien sûr. La base qui consiste à maintenir, bien sûr, votre clic droit et de voir là où il y a le plus de stats. Par exemple, là, il y a du tir, vous le prenez. Isagi reste bon pour lui. Vous prenez lui parce que il a du 18% en tir et du 30% en puissance. Ça, c'est en fait c'est ce qui permet de déterminer vos bonus de stats et pourquoi pas avoir un meilleur taux de drop sur vos cartes gold, ok? Puis après, nous avons dans les stats, enfin dans les passifs, ce qui va vous permettre de gagner davantage de stats. Par exemple là c'est ce qui va améliorer la physique. C'est des stats bien, enfin, qui sont largement plus dans la précision, dans le domaine de prédilection du personnage. Hein, comme je vous l'ai dit, là c'est stats en physique supplémentaire. Et du coup, tout ce qui concerne, on va dire, drill, puissance, endurance... Ainsi de suite. Les trois autres, bien sûr, il faudra utiliser un traducteur parce que c'est pas à chaque fois la même. Mais je crois que pour les trois, c'est plus ou moins relié. Et après, le plus important, surtout le plus important, c'est cette étoile qui va vous permettre en fait de gagner des cartes gold. Et en fait, par la suite, si vous arrivez à avoir des cartes gold et en même temps les passifs, du coup, quand vous avez la banderole en or ou la banderole en violette, surtout la bande en violette, alors là c'est sûr que ce sera incroyable. Bien sûr, de préférence faites ça quand vous êtes en mental élevé, c'est à dire que votre état physique et mental doit être en extrême en permanence pour pouvoir avoir des meilleures chances de drop des bonus x3, x4, x5, x4,5, etc. Ok. Et ça, le petit puzzle que vous voyez là, ici, là, au niveau 60, ça, en fait, ça permet d'ajouter, par exemple, si vous gagnez, si dans un jour, dans une action ou quoi, vous avez une carte, il se peut que vous ayez une seconde carte derrière. Par exemple, moi, en moyenne, je suis entre 1 et 3. J'ai déjà eu 4 cartes gold dans un seul et même jour. Par contre... c'est ultra ultra rare. Même 3, c'est vraiment si vous avez une chance incroyable. Surtout si vous êtes en baisse ou en extrême, c'est incroyable. Si derrière vous enchaînez en x4 ou en x5, du coup 400 ou 500, alors là c'est sûr que vous allez avoir des stats monstrueux. Des stats monstrueuses plutôt. Bref, voilà. Le plus important, c'est surtout ces deux passifs qui vont vous apporter un bonus de stats incroyable, qui plus est des cartes gold en supplément. Surtout que parfois il se peut que vous ayez des cartes gold qui ne sont pas dans votre domaine de prédilection. Par exemple, comme je l'ai dit, l'unité de Kunigami, c'est le tir et la puissance. Parfois vous pouvez avoir une carte qui va améliorer votre endurance et votre accélération dribble ou votre polyvalence, et ça c'est très mauvais pour une unité comme Kunigami, Gagamaru ou encore Aichi. Vous voyez, c'est pas des unités qui sont faites pour ça en fait.
Enfin bref, c'était juste la petite parenthèse. Du coup, pour le moment, on est parti sur Isagi en guest, level 100 du coup. Enfin, Nagi, excusez-moi. Nagi en guest niveau 100. Isagi dans vos supports. Gagamaru pour le, comme vous l'avez vu, pour le même truc, ça rajoute et tout. Surtout qu'il a également un petit bonus de 29% de taux de chance supplémentaire sur une carte gold. Et ça, c'est cheaté. Par la suite, vous avez la possibilité de mettre soit Bashira, mais si vous n'avez pas Bashira, vous partez sur un Barreau. Parce que, bien sûr, Barreau, il a une puissance de tir élevée. Enfin, il a le tir élevé. Ça, c'est un très bon point. Et qui plus est, il a un 18% sur les cartes gold. Par la suite, pour terminer, vous prenez soit Shigiri, soit Bashira. Et dans ce cas-là, si vous n'avez pas ces unités, vous partez sur, je vais dire cette unité, parce qu'en fait, vous allez être quasiment en permanence, vu que vous avez Isagi à côté, être en permanence dans un état physique et mental très très bon. Ok? Après, bien sûr, ça donne pas les stats qu'il faut, mais derrière, en fait, ce qui est bien avec Nico, c'est qu'il rentre dans les trois quarts des teams, voire même dans toutes les teams, au vu des passifs qu'il donne, ne serait-ce qu'au niveau 60, hein. Même niveau 50, ça reste déjà du très 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 correct. Et après, le reste, si bien sûr vous n'avez pas ces unités, évitez de gaspiller de la stamina pour rien et allez directement sur d'autres unités pour prioriser. Je sais pas si ça se dit, mais pour mettre en avant déjà pour économiser votre stamina et pour mettre en avant les statistiques et vos teams qui ont enfin vos persos qui ont déjà une team prédéfinie pour les améliorer correctement et rentabiliser votre stamina pour minimiser les essais derrière. Du coup, voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Petit pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. Du coup, comme je vous l'ai dit, pour améliorer l'unité, pour ça, et en termes de cartes, il vous faudra tout simplement. Il vous faudra tout simplement les trois cartes si vous avez déjà atteint les 100K. Dans le cas contraire, visez l'endurance et la carte R qui est celle-ci. Bien sûr, je n'ai pas encore amélioré à fond, mais voilà. Vous avez plus ou moins ces stats, enfin ces deux cartes au cas où si vous n'avez pas encore atteint les 100K de puissance avec votre team. Si vous les avez atteints, vous mettez les 3, comme ça il n'y a pas de chichi. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve à très bientôt pour de nouveaux lives et de nouvelles vidéos sur Blue Lock, Playtale, Black Clover Mobile, Inazuma Eleven, JJK, etc. etc. Je vous dis ciao et à la prochaine, peace!